Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 62e épisode dans Let's Play sur Astria Ascending. Dans l'épisode précédent, ce qu'on a voulu faire en début d'épisode, ça faudrait que ce soit la 42e quête ou une chasse. Ensuite, on a repris l'aventure normale, on a vu Brazzer, oui, je crois que c'était Brazzer, au niveau de la porte, il a ouvert la porte et il a fait rentrer une âme dans le corps du frère de Ulan. C'est pas forcément très simple à suivre, mais... Ensuite, on a poursuivi au niveau de la tour de l'harmonie qui a été contaminée. On a avancé un petit peu. Alors, j'hésite à revenir en arrière, voir le chemin, ou à continuer. Là, on est arrivé à l'espèce de téléporteur. Je me dirais bien de retourner en arrière, voir s'il n'y a pas des coffres ou des trucs comme ça à récupérer, mais c'est pas grave, on va avancer. Chapitre 16, Dissonance. Should anything happen to Goddess Yuno, the Arbiters will learn that Harmony has left this world. What could happen then? I wonder if the Arbiters would appear once more. We may have been forgotten. The 333rd Company of Demigods failed their mission and allowed the world to fall to the forces of chaos. That's how history will remember this. No! I refuse to let that happen. My father would not stand for such dishonor. Right. Let's hurry. Explorer les ruines de la tour d'Harmonia. Ok, donc eux, ils me proposent des anneaux. Puissance plus 4, puissance plus 4%. Il y a de l'équipement en tout cas. L'armure de platine est pas mal. L'armure de titane est de base, elle est pas mal, mais bon, elle est faible à tout, donc. Ok, en tout cas, il y a de l'équipement, on va regarder ça, à la limite, je vais regarder ça vite fait en off. Ok, ça par contre, c'est intéressant. Parce que justement, on se disait dans l'épisode précédent que j'aurais dû acheter un paquet d'Omnipanacées. Ouais, je vais peut-être pas tout dépenser non plus, mais déjà, on va acheter 31. Déjà, on a dépensé pas mal d'argent. Après, tout ce qui est minerai, etc., c'est vrai que je m'en sers jamais. Ça pourrait me servir des fois, mais je pense pas les utiliser.
Bon, je fais une petite ellipse, le temps de, de regarder les équipements, et on se retrouve juste après, là, tout de suite. Heureux. Du coup, j'ai acheté pas mal d'équipements. Au niveau des armes, il n'y avait pas grand-chose. Au niveau des armures, j'ai acheté pas mal de trucs avec des résistances aux ténèbres. Donc, on verra bien. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais sinon, je rechangerai d'équipement, quitte à en mettre du moins bon. Bon, on ne peut pas explorer par là. L'ascenseur est cassé. Bon bah accédons aux étages supérieurs alors. Je pense que le fait d'avoir fait toutes les quêtes annexes, ça m'a ramené pas, enfin ça m'a permis d'avoir pas mal d'équipements. De toute façon, il y a deux portes. On va prendre la première. Oh! Un coffre piégé. Ça faisait longtemps. Mais normalement, je dois plus avoir d'attaque. Ah ouais, non, j'allais dire, je dois plus avoir d'attaque surprise. Mais oui, sur les coffres, oui. Fait de l'invalidation derrière. J'aurais pas dû mettre le x4. C'est un peu idiot. Par contre, j'aurais pu faire. Réplique. J'aurais pu faire ça. Alors j'ai le choix, j'ai une porte là qui me redonne à une autre porte. Pour le moment, je vais prendre que les premières portes. Là, j'ai pas de coffre. C'est un peu un sac de nœuds là, leur truc. Enfin, après moi je m'en moque un petit peu de tous les coffres, hein, mais je pense que j'aurais peut-être dû mieux explorer, mais c'est pas très grave.
That's far enough. Defeating me would spell certain doom for this body. Forgive me, Levon. I am a demigod, champion of harmony. J'aurais peut-être dû me soigner à fond niveau PM. À quoi es-tu faible, mon petit? On va regarder. Ouais, il est faible à la lumière. Le drainage aurait été plus intéressant. Avant de leur faire de la lumière, on va regarder s'il n'y a pas une autre faiblesse. Est-ce que j'ai regardé glace? Ok. Ça. Alors, on va la recombattre plutôt normalement. Je pense que je vais faire plus de mal avec des magies comme ça que... je pense que j'aurais presque déjà pu le battre en fait si j'avais combattu normalement. Hop hop hop. Sinon il va falloir que je change mon équipe, que je mette un éventuellement un écho avec moi. Bah en tout cas, il est violent, le frère du LAN. Hein. On va le faire comme ça. Faire une omni-frappe, enfin une frappe arrière, histoire de gagner des points. Bien que j'aurais peut-être dû faire une multi-attaque, multi-frappe. Parce que là, si ça se passe bien avec Zygmar, on va le battre. Bah, on l'a battu. He's getting away. Not this time.
Suivons il quitte. Ah ok, ça m'a soigné mes PM. J'aurais peut-être dû sauvegarder aussi, mais... Désolé. Pour aller tout. Chaos will envelop this world. Au final, ce sera peut-être le dernier épisode. Ok, 60 000 points de vie. Oh, les faibles aux attaques physiques, mon petit copain. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit faible que aux attaques physiques. À quoi es-tu faible, mon petit? À la glace? Ça me va bien. Allez, une troisième forme. Je sais pas où est-ce qu'il nous emmène, mais... Là, il y a la classe, par contre. J'aime beaucoup le design. Ah, oh. Par contre, le Omni absorption de PM, ça c'est plutôt relou. Résistant. Il absorbe. Et bah écoute, on va faire un petit drainage déjà. Je pense qu'il est résistant aux attaques physiques. Ok, faible au feu. Bon, en même temps. en même temps. Tout à l'heure il a absorbé la glace, donc.
T'es toujours pas KO, toi. Qu'est-ce qui te manque? Il reste un point de vie. Juste de faire un feu. À quoi es-tu faible, mon petit? Niveau magie, c'est pas trop ça. Est-ce qu'une petite attaque physique? Pas forcément. Bon, on va taper comme ça. Faire une triple entaille, hein. Il y a 47 000, je vais les retirer 8 000 à peu près, on va tenter frappe multiple pour voir. Il aurait dû faire le drainage. Drainage, je vais retirer 6000 à peu près. Presque 7000 même. Ulan, tu vas me soigner tout le monde. J'ai pas compris pourquoi la Cress a réattaqué derrière, mais on l'a battu. And so, the 333rd company of demigods restored harmony to the world. Chapitre 17. Le monde d'après. The demigods are no more. My father and his 333rd company were the last of them.
tout est cassé. The peoples of this world are once again united in harmony. I wonder if the Arbiters are aware of what happened here. Verger Dendal, retour vers le passé. Vous avez sauvé Arcanon, mais vous craignez d'avoir oublié quelque chose avant le point de non-retour. Ne vous inquiétez pas, Balan peut vous aider. Vous le trouverez au Verger Dendal. Par lui, il vous fera voyager dans le temps. Donc, Balan, il nous permet de revenir dans le passé. Mince. Mais nous, on va pas retourner dans le passé, on va parler. Enfin, d'ailleurs, je vais faire une petite sauvegarde. On va parler à Vendal. Oh, you're a demigod, aren't you? I am the son of one. I am Zimmar, son of Dagmar. This is Alex's Zodiac Ring. Its power is gone, so there's no need to worry. Alex said he wanted to give this to you himself, but he had his hands full with noises. How did he go? Quietly and peacefully. He was smiling until the very end. That's my boy. You should indeed be proud. May I transfer? What do you think? Please be honest. It's not really something we Arcturns would eat. If it's okay with you, I'd like to spit it out. My hope is that this fruit will help everyone to open their eyes and see each other as equals. Wouldn't that be nice? It would be, yeah. If you feel the same, then help me out here. I'm woefully in need of some extra hands. Wendell, what do you think will happen to this world now that the goddess is gone? It's not what will happen to this world, but
Rather, what will we do with it? Don't you think so? Et c'est fini les amis, on a fini Astria Ascending. On se retrouve juste à la fin du générique pour faire un petit bilan du jeu. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Donc on se retrouve tout de suite juste après le générique. À tout de suite.
Et nous voici à la fin du générique, les amis. C'est dommage, ça a été cool un petit écran de fin, mais voilà, c'est pas très grave. Pour le bilan du jeu, ce que j'en ai pensé, bah, le jeu est sympa en soi, hein, le design est très très cool, les musiques sont sympas aussi. Par contre, les points négatifs, la difficulté en mode normal est quand même très très dure, enfin pas évidente, hein, donc c'est pour ça que moi j'étais repassé en facile. Mais à la fin, le facile, vu que je m'étais pas mal entraîné, bah, c'était limite trop facile, parce que même le boss de fin, limite, n'a pas eu trop de difficultés. Bon, on y a un petit peu roulé dessus. Concernant l'histoire, c'est vrai qu'avec les 8 demi-dieux, on aurait pu s'attendre à quelque chose de bien plus intéressant, bien plus complet. Parce que bah, le scénario, c'est du basique de A à Z, surtout que c'est très répétitif. Entre bah, c'est le frère, le cousin, la sœur, le grand-oncle, le grande-tante, enfin, on exagère un petit peu, mais c'est toujours le frère, la sœur, la copine, enfin, et pour chaque personnage, à la différence d'un Octopath Traveler, donc c'est pas le même studio, c'est pas le même financement, etc., mais où il y a 8 personnages différents, bah, il y a 8 histoires différentes, même si des fois il y a des ressemblances. Là, les quêtes, bon, bah, va faire ça, fais 50 allers-retours, juste tu parles à un personnage, tu reviens parler à un autre, tu reviens parler à un autre, tu reviens parler à un autre. C'est peu intéressant, enfin, c'est dommage. Après, c'est du bon petit RPG indé, hein, mais ouais, ça manque de qualité. Au niveau des personnages, on a Odin Sphere aussi, Odin Sphere Leftrazir, que j'ai déjà fait sur la chaîne. Qui ont des développements de personnages bien plus intéressants que là, en fait. C'est pas un jeu sur lequel je me dis tiens, ça me donne envie d'y retourner, ou il y a tel truc qui m'a marqué dans le jeu. Non, c'est du basique de A à Z, c'est sympa, mais sans plus. Après, la durée de vie est intéressante, si on prend le temps de faire toutes les quêtes annexes, etc. Après, voilà, je pense qu'on a fait le tour du jeu, ça sert à rien que je retourne dans le passé, etc. En tout cas, moi, je pense avoir fait le tour. Pour ceux qui y joueront, bah, j'espère que le jeu vous plaira. Pour ceux qui regarderont le let's play, j'espère que ça vous aura plu, que ma manière de jouer vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Je ne sais pas encore quel jeu va remplacer Astrea Ascending. Il va falloir que je me penche dessus. Donc, on se retrouve très bientôt, les amis, pour d'autres aventures. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.